One love. C'est dada pour toi et toi. Alors, des fois, tu vois, ça c'est Mickey, le journal de Mickey. Donc il y a tout un lot, tout un carton de journal de Mickey qui m'a été donné par un ami. Et donc celui-ci, alors c'est que des journaux qui datent des années 90. Celui-ci est du 31 janvier 1992. Et donc c'est pour vous montrer qu'en 1992, je ne sais pas d'où vient l'inspiration, mais des artistes ont pensé, regardez, en photocopie, on voit un robot, donc là il s'agit d'un personnage de BD qui s'appelle Robert le robot. Donc, je ne sais pas si le concepteur c'est lui ou si c'est lui qui est censé être son fils. Alors voilà, il fait des photocopies, tu vois, c'est formidable, on appuie sur le bouton et hop. Autant d'exemplaires que l'on veut, la photocopie, donc le robot il arrive. Et il voit le petit avec un train dans sa main. Un petit train en jouet. Donc il bricole, il lui dit tu vas voir. Et là qu'est-ce qu'on voit? Eh ben voilà. Tougoudoum, en fait. Tu vois? Donc les artistes qui ont créé cette BD ont pensé l'imprimante 3D en 1992. Après, de quoi se sont-ils inspirés? Je n'en sais rien, mais on trouve des perles dans le journal de Mickey. Et je ne sais plus lequel parce que j'en ai plus d'une centaine là apparemment. Et le truc, c'est qu'il faut que je recherche où dans les années 90, où ils disent qu'avec... Je ne sais plus quelle mission spatiale, ils vont savoir enfin si la Terre est plate ou si la Terre est ronde. Voilà, je ferai une vidéo sur ça prochainement dès que je retrouve le bouquin. Voilà. One love et à bientôt pour une prochaine vidéo.